Merci. Soyez tous salués. Bonjour à tous ceux qui sont ici aux États-Unis. Il est 9h57 dans l'État de l'Ohio, du Maryland, de New York et les environnants. Et je crois qu'il doit être 14h57 au Gabon et 15h57 en France, en Italie et en Espagne. Bien, vous savez, quand je fais mes lives, je relis les commentaires des personnes.
Et donc, à l'issue de ça aussi, il y a eu des réactions. Il y a des gens qui m'ont reproché qu'en fait, je ne suis pas rentré dans les détails. Pour votre enseigne, généralement, quand je fais mes lives, je ne me prépare pas. Je n'ai aucun document sous les yeux, je parle toujours sous inspiration. Mais quand il s'agit de parler de trucs, des sujets sur la politique, sur la religion ou sur la science, je suis obligé de me préparer parce que même si j'ai étudié cela, mais il est quand même important d'apporter des documents d'appui. Alors la question, le reproche qui m'a été fait, c'est que en fait, quand quelqu'un meurt, qu'on congèle son corps, qu'on le brûle, brûler c'est un peu trop violent, mais ils ont trouvé un mot souple. Ici, on appelle ça l'incinération. C'est très fréquent ici aux États-Unis et je crois également en Europe. Selon le désir du partant ou de la partante, eh bien, il y a un document que la personne, ce que vous appelez un testament, qui stipule bien que, à la mort de cette personne-là, il faudrait que son corps soit incinéré ou brûlé. Ce n'est pas une tradition qui date d'aujourd'hui. Hein. Ça revient. Il y a des milliers de millénaires. Hein. Ça se faisait en Afrique depuis longtemps, avant que ça ne parte vers l'Inde. Et surtout, les habitants de l'Inde, du nord de l'Inde, qui sont la plupart des Noirs, ont toujours pratiqué cela. Bref, je viens donc répondre à deux questions. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, veuillez me pardonner, je respecte la tradition. Le docteur Rock, vraiment, docteur Roche, s'il y a une récompense à donner, tu es l'homme le plus fidèle. Merci d'être présent. Maman Hermine Bididi, pareil. Bon, Nathalie Kingslove, ouais, elle est aussi présente. Il y a mon fils de Kobolo qui est là présent. Et tout le monde. Je vous remercie. Pardonnez-moi si je n'ai pas cité les noms de tout le monde. Ibogaine nous dit que la politique est une affaire de tous. D'accord. Ok. Et Créole, pas Créole, ma fille, l'artiste, mais ça, c'est une autre Créole. Que je dis bien, sois la bienvenue. Bonjour. Wapeya, bonjour. Avec le drapeau gabonais, un compatriote et un patriote. Ou une patriote, parce que vous savez, les avatars, là, moi, je ne sais pas. Je n'aime pas le mot avatar. Les gens se cachent sous divers noms. Je comprends pour des sécurités. Bien, je vais répondre directement à la première question. Pourquoi j'ai dit, moi, personnellement, je ça n'engage que moi. Mais ce que j'ai dit là ne vient pas de moi également. Ça vient de certains documents que j'ai lus et de certains renseignements, de certaines fouilles que j'ai faites. Pourquoi il n'est pas recommandé de surgeler ou congeler le corps de quelqu'un. Bon, il y a des recherches que j'ai faites également qui aujourd'hui nous prouvent que la plupart des grands pharaons, des rois égyptiens, leur corps était momifié. Et en 1974, lorsque j'avais pris ma confirmation à Ombwe, pas à Ombwe, à Odimba, à l'église Sainte-Anne, ceux qui sont du Fanavaz connaissent cette église. Hein? L'église d'Odimba, Sainte-Anne. Et mon grand-père Dimboukou Antoine était le diacre. Il devait même être prêtre. Mais comme on ne pouvait pas autoriser un prêtre d'avoir des enfants, monsieur Dimboukou Antoine est bien connu dans le Fernavaz. Mon grand-père, donc, chez qui j'y allais de temps en temps, assistait le père Petit dans le temps. Mais il y avait un prêtre qu'on appelle le père Bichet. Donc ce père Bichet-là, le prêtre Bichet, qui fait partie des premiers à avoir inauguré cette église d'Odimba, au début du 20e siècle. Hein, pour la petite histoire, l'église d'Odimba a été implantée, transportée depuis Paris dans un paquebot. Le voyage avait duré 42 jours. Et c'est la famille Léfel qui avait donc fait ce don-là au Gabon. Et c'est ainsi que l'église de Sainte-Anne était une église montée de toutes pièces, démontable. Tout comme ils ont fait la tour Eiffel que vous voyez là. C'est la même famille. Alors, cette église, donc, on l'avait mise dans l'Odimba en 1896. Les prêtres qui ont exercé, parmi les prêtres qui ont exercé, il y a un prêtre appelé Père Bichet. Et ce Père Bichet, je l'ai vu moi-même de mes yeux.
Mais ils ont décidé, l'Église catholique du Gabon, à l'époque sous le Monseigneur Anguille, avait décidé que la visite sous deux étages, sous l'église d'Odimba, allait regarder le corps et toucher et baiser la main du prêtre Bichet, ce qui est une forme de nécromancie avancée par l'Église catholique. Même le corps de Monseigneur Anguille, pour ceux qui veulent le savoir, ce corps est conservé dans l'une des églises de Libreville. Je ne vais pas citer laquelle. D'accord? Moi, Muéryo Nouvier, votre guide inconnu, en 1974, donc précisément le 21 juin 1974, je vais recevoir ma confirmation de l'Église catholique. Alors, c'est le prêtre, je voulais dire, le Monseigneur Anguille, qui officiait. Vous savez comment ça se passe, on vous gifle à gauche et à droite. Et il y avait des visites qui étaient autorisées à deux étages sous-sol. Et c'est ainsi que j'ai vu. Mais on interdisait de prendre des photos. Les visiteurs qui venaient, même quelques Français qui venaient souvent en saison sèche. La saison sèche au Gabon, ça commence le 15 mai et finit vers le 10 septembre. Voilà la saison sèche au Gabon. Donc durant cette période-là, que les Blancs appellent l'été, c'est durant cette période que beaucoup de visiteurs européens venaient, avant 1975, visiter le père Bichet. Donc le corps de ce prêtre-là était là, vivant. Vous pouvez le voir avec sa longue barbe. Nous étions escortés par le père Petit. Ce père Petit, il forma mon père Adoumaraïou Noubia Poutoutou. Oui, père Petit. Il exerça également à l'église de Ngomou, dans le Moyen-Ogoué, à quelques kilomètres de mon village Oronga et de Nchatanga. Donc, quand on descendait là-bas, on allait toucher le corps du prêtre là. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour mettre l'accent sur la momification. Mais la momification n'a rien à voir avec la congélation. Avant que je puisse vous donner mon point de vue sur pourquoi nous ne devons pas congeler les corps des morts. La momification est une vieille technique qui date des millénaires et des millénaires. Avant que les pharaons n'utilisent cette technique, il y avait des peuples voisins, les peuples rouges, nos frères de l'Océanie, et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à pratiquer cette technique-là. En Éthiopie, allez-y. Alors je vous parle, prenez un voyage en Éthiopie. Vous verrez que cette technique, elle est toujours pratiquée jusqu'à ce jour. En Égypte, elle est toujours pratiquée, mais sous une forme modernisée. Donc, ils ont rattrapé la technique de la momification. C'est pour cette raison, il y a de cela 2 ou 3 mois, lorsqu'ils ont bougé le palais royal, puisque le roi, je vous l'ai dit, le président égyptien, Haï, comment il s'appelle, Ali ou Haï, quelque chose comme ça, n'est plus considéré comme président. On l'a maintenant monté au grade de maréchal, quelque chose comme ça. Ils ont fait le transfert de toutes les momies, le transfert de tous les corps des rois d'Égypte, de tous les pharaons, qui, pour votre information, la majorité étaient des blancs. Je voulais dire des noirs. Le tout dernier qui était blanc, c'était vers le début du 1er, 2e siècle, sous la domination d'un monsieur qu'on appelait Ptolémée Sauter. Ptolémée s'écrit avec P, mais on ne prononce pas le P. Donc, Ptolémée Sauter, troisième. C'est le même Ptolémée Sauter, pour votre information, dont l'effigie a été fabriquée à partir d'un certain Jésus. Juste des informations que je balance. Retenir que la momification était un rite qui permettait non seulement de conserver ce corps physique pour si longtemps, mais également dans la tradition ancienne, puisque la résurrection et la réincarnation résurrectionnelle étaient prêchées par nos ancêtres. Eh bien, ce corps était momifié afin qu'il y ait une connexion
entre ce sarcophage, donc ce corps physique, dans le langage égyptien, on appelle ça le sarcophage, afin que ce sarcophage soit toujours le réceptacle par excellence de la personne qui est partie dans l'au-delà, à travers la pyramide. Et que par la loi pyramidale, l'esprit du défunt pourrait revenir intégrer ce corps-là et retrouver la vie. Donc il y avait des courants telluriques, électromagnétiques, mystico-spirituels, des liens avec ce corps, d'où la momification de ce corps-là. Donc il y a mille et une raisons. Mais l'une des raisons que j'évoque là, elle fait partie des milliers de raisons. C'est des rites qu'on pratiquait avant de momifier quelqu'un. Bien sûr, on enlevait les intestins. Cela, ça, c'est l'expression aujourd'hui que vous entendez. On fait le traitement du corps. Il faut traiter le corps. Mais qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on appelle traiter le corps? On enlève donc les gros intestins, les petits intestins, tout ce qui est à l'intérieur, on appelle dans le langage terre à terre les boyaux. On enlevait tout. Et il y a certains qui recommandaient qu'on enlève même le foie. Surtout si le roi qui est mort était jeune, on enlevait ce foie-là afin de le transplanter auprès d'un vieux roi qui était défaillant des reins. Donc c'est des vieilles techniques qui datent de plus de 12 000 ans, selon les archives et machin. Bref, pourquoi alors j'ai dit qu'on ne doit pas congeler le corps? Bichet, pendant près de 50 ans, on visitait son corps là-bas, à Odimba Sainte-Anne. Le vieux Akendenge qui vivait au quartier Toulon, à Omboué, malheureusement, il n'est plus de ce monde, pourrait bien vous témoigner. Le vieux Michel Hogan, le vieux Hogan, qui était un ami à mon père, un papa qui m'a aussi donné des paroles de sagesse, pourrait bien vous en témoigner. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Bref, et le vieux Ping, le papa de Monsieur Jean Ping, connaissait aussi ce grand mystère, car il faisait partie des personnes qui allaient visiter le père Bichet. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, monsieur, le papa de Monsieur Ping là était forestier. Il avait sa compagnie forestière. Donc, toute la zone d'Odimba, là, il avait des marchés là-bas, jusqu'à la zone de Ndougou. Mon oncle, de son vivant, a travaillé pour Monsieur Jean Ping, pour Monsieur Ping, le papa de Jean Ping là. Hein? Bref. Donc, tous ces noms que je vous cite, ils connaissent ce grand mystère du père Bichet. Mais le père Bichet a conservé son corps. C'est à titre de rappel, à titre des rites mystico-spirituels de l'Église catholique. C'est une forme de nécromancie pratiquée par l'Église catholique. Et dans toutes les églises catholiques, dans toutes les églises même du monde, pas seulement catholiques, même protestantes, ils rendent un culte aux pasteurs, aux prêtres, et ces corps sont conservés en bas. Mais malheureusement, malignement, ils viennent condamner nos rites à nous, quand nous gardons les crânes. Moi, je vous avais dit, je ne vous le cache pas, je ne fais que vous le répéter. J'ai le crâne de mon père. J'ai le crâne de mon père, Adoumara Onoubi, Vandele. J'ai son crâne avec moi. Ma mère également m'avait demandé de le faire, mais parce que elle était tellement dans certaines pratiques, les entités ont refusé que je le fasse. Donc ça, c'est des réalités africaines. Je ne peux pas être traditionnaliste sans pourtant plonger entièrement dans nos traditions et dans nos pratiques sorcières. Mais aujourd'hui, on garde des crânes des prêtres, on garde des crânes je ne sais de qui dans les musées en France. Et on vient donner des leçons aux Africains. Bref, la congélation du corps n'est pas autorisée. Pourquoi? Mais parce que le fait que ce corps soit là, ça va toujours amener un contact avec l'âme du partant. Certes, l'âme du défunt est partie. L'âme du partant se retrouve quelque part. Mais quand on dit que l'âme est partie, est-ce que vous savez à quel niveau cette âme se trouve? Cette âme n'a pas encore respecté le cycle de départ de 72 heures et disparaître. Même si vous, quand vous allez garder ce corps-là, même pendant, moi j'ai vu des cas où on garde le corps pendant 3 semaines, voire un mois. Et voilà un business florissant qui nourrit le ministère de la Santé publique de certains pays africains. Parce que
pour conserver ce corps-là au frais, il faut payer. Moi, je m'en souviens, ma mère, on a payé pendant une semaine une somme de près de 400 000. Parce que chaque jour, on nous chargeait une affaire de 60 000 ou bien 80 000, je ne sais plus trop. Et les gens qu'on attendait, je n'ai rien vu parce que c'est moi, Morio Nouvier, qui a enterré ma mère. J'ai payé le cercueil de mon propre argent, moi. J'ai payé le cercueil. J'ai payé ce cercueil. J'ai payé tout ce qu'il fallait pour pouvoir enterrer dignement ma mère. Alors les gens qu'on attendait, je ne sais pas à quoi ça a servi. Oh non, il faut attendre la famille. Oh, mais entre-temps, quand ma mère souffrait, c'est moi qui payais les ordonnances. Avec mon petit salaire d'inspecteur de pétrole de 410 000 francs CFA, je vous parle des années 90 et quelques là-bas. C'est ça, je me suis occupé de ma mère. Maintenant, on me dit non, il faut conserver. Et à la fin, c'était un problème même pour pouvoir trouver de l'argent pour payer les cotisations maintenant pour sortir le corps de ma mère. Je m'en souviens sous le soleil. Je me baladais de maison en maison, suppliant les gens de cotiser. Lorsque l'ordonnance de ma mère, me voilà en train de transpirer. Pauvre petit salaire de 400 000, je devais payer le loyer à presque 100 000. J'avais une femme à l'époque. Et cette femme avait des enfants. Elle et moi, on n'en avait pas malheureusement. Il fallait que je m'occupe, je mène aussi ma vie, mon Dieu. Allez, imaginez-vous, des ordonnances de centaines de mille. Je vais au chevet du lit de ma mère, là où elle est à l'hôpital, là, de Port-Gentil. Ma mère pleure, elle est en larmes, elle dit à moi, moi, parce qu'elle, Guissir, mais elle parlait le gallois parce que elle a passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, que je ne veux pas citer le nom. Ma mère me dira, ma papa, Kokolo, oh, Anyambi, moi, niwa, ma kongi, we konga, nintinande, le kiza, rigamigo kenda, gabambo, rigamigo kenda, granagi, wa mige, oh, amwami, eh, awembe, mige, ga, logo, miero, no, miensa, bungding, o, mwana, wi, saka, menu, nekibing, so, sefi, oh! Ma mère me dira cela. Pendant que j'avais encore de la vigueur, mon fils, tu souffrais quelque part. Mais entre-temps, les gens pour qui j'ai donné l'argent, j'ai donné ceci. Elle faisait allusion à ma grande sœur. On ne parle pas des morts, elle n'est plus de ce monde. Ma grande sœur, quand ma mère souffre comme ça, elle est dans ces ambiances quelque part. Et je suis le fils unique, vivant jusqu'à ce jour. La grande sœur est partie, les jumeaux sont partis. Le dernier né qu'elle a eu après 10 ans de souffrance à l'âge de 44 ans. Avec mon petit salaire, voilà ma mère. Et les gens imposent. Hein. C'est là, vous voyez, les oncles qui viennent imposer. Ah, mon ouvri, mets-toi de côté, n'y a eu quoi. Tu es qui? Tu n'es qu'un enfant. On doit conserver le corps de ta mère. Toi, tu es qui? Je me suis soumis à la volonté. On a conservé le corps de ma mère pendant une semaine. Allez-y regarder les entrées. 0 à 0. Heureusement, j'étais prévoyant. Je suis allé payer un cercueil là. À l'époque, ça coûtait autour de 95 000 francs. Un beau cercueil, bien présentable. Hein. Mais actuellement, ça va. Il paraît que ça coûte là-bas 300 ou 400 000. Parce qu'il fallait que j'enlève l'honneur de ma mère. Le tombeau! Demandez-moi qui est allé creuser la tombe. C'est moi. Avec mes cousins, mes neveux. On est allé creuser la tombe à ma mère. On a payé la zone. Les fameuses. Les parents qu'on attendait, les fameux parents que non, venez, on va congeler le corps. Ça a servi à quoi? 0! Bref, ça c'est un petit détail technique, juste pour vous dire les réalités africaines. Ça ne sert à rien. Parce que si déjà du vivant de la personne, la même scène serait pas tape pour mon père. Et là encore, pour mon père, il a souffert à mes côtés. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi tu t'es précipité à enterrer ton père? J'ai dit, mais vous, quand mon père souffrait, de un, quand il m'avait abandonné et moi je souffrais, vous étiez où? Vous, les enfants de la femme que mon père est allé épouser, vous étiez où? Vous êtes allé jusqu'à donner des enfants au nom de Noubier qui se retrouve dans le fer Navaz. Et entends-moi, son fils, c'est des femmes ngoées, les parents de M. Jean-Ping, les femmes ngoées, un commis qui me gardait maintenant. Entends, mon père était dans l'ambiance avec sa femme commis. Vous étiez où? Ils étaient là maintenant. Oh, mais c'est pas une raison pour toi de te précipiter. J'ai dit, je ne me suis pas précipité. J'ai respecté. Mon père, quand il souffrait les derniers jours, il venait pleurer chez moi. Mais pas pleurer les larmes, mais il se reprochait. Je vous dis, il est là, c'est pour cela qu'il est condamné à être avec moi. Et il est là, il m'écoute. Il fait partie des personnes avec qui je parle tous les jours. Et personne ne pourra le coater, comme on le dit, ou prendre son esprit. Bref, mon père, ces derniers moments, était à mes côtés. Dans ces ambiances, quand j'étais jeune, j'étais abandonné. Maintenant, les derniers jours, qui a enterré mon père? Qui a payé le cercueil?
qui a payé tout le tralala, les draps, les bougies. C'est votre humble serviteur. Il m'écoute, je ne mens pas. Mon père et ma mère, c'est moi qui les ai enterrés. Ce n'est pas aujourd'hui qui est le contraire maintenant, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Mais moi, j'ai enterré mes propres parents. Bref, mon père n'a pas été congelé. J'ai été clair avec le docteur Igambonchina. Je ne sais pas s'il vit encore ce monsieur. Igambonchina était le cousin à mon père. Il est docteur, médecin. Il est connu à Port-Gentil. C'était lui-même à un moment qui était le chef directeur de l'hôpital de Port-Gentil. Je ne sais plus s'il est encore là-bas. Après, on a transféré en Tchengue. Monsieur Igambonchina me connaît très bien. Monsieur Igambonchina m'a dit, ah, tata, mon petit frère, voilà le corps de ton père. On n'a pas congelé mon père. On a respecté la tradition des 3 jours. Mais ma mère, comme je le disais, la raison pour laquelle on ne congèle pas le corps de quelqu'un, c'est tout simple. Il y a l'attachement. L'âme est cette partie. Mais comment l'âme va partir si vous êtes en train de graviter autour du corps? Oh, maman tsabungo, yayo, maman tsabungo. Vous êtes en train de crier comme des fous et vous regardez le corps. Ces émotions, je le répète, c'est ça le lien de connexion avec votre âme. Ce qu'on appelle, dans la pratique initiatique initiale, donc du débutant, on appelle, il y a ce qu'on appelle un cordon ombilical qui vous lie. Mais ce cordon-là, une fois vous êtes mort, le cordon se coupe. Mais malheureusement, ce cordon, il y a une autre forme de cordon qui vous lie avec la famille. Et c'est ce cordon qui lie avec la famille qui aujourd'hui fait en sorte que lorsque vous congelez le corps, on attend que les parents viennent, on attend ceci. Certes, l'âme est libérée, mais l'âme n'est pas loin. L'âme est là. Pour ceux qui ont les esprits éveillés, j'ai vu l'esprit. Après, ils vont dire, on a vu le fantôme des mamans, on a vu le fantôme des papas. Mais parce que les émotions, le fait d'être autour de ce corps congelé, les réunions, tous les jours, le corps va sortir quand on va faire des cotisations. Mais quand vous faites des cotisations, le corps, certes, est vide. C'est un corps qui est, c'est une coquille. Mais l'âme de la personne rôde autour parce que vous retenez la personne. Voilà pourquoi chez les musulmans, le même jour que la personne meurt, allez, cassez les pieds, enterrez. Ils n'ont pas tort. Mais c'est pour que l'âme du défunt soit libérée. Mais nous, hommes africains, on n'a pas compris cela. Donc, ça vous épargnerait de l'argent. L'histoire d'aller congeler, il faut d'abord tester la personne du vivant. Moi, je vous ai parlé de mon exemple à moi-même, mon père et ma mère. C'est moi qui payais les ordonnances. Tous les parents là. J'ai pleuré avec l'ordonnance, surtout le cas de ma mère, mais mon Dieu. La pauvre avait les larmes, elle est morte avec les larmes sous les yeux. Oui, oui, oui. Je n'oublierai jamais. Mardi, le 27 septembre 1993, ma mère est partie à 19h. Devant moi, elle parlait avec moi tout un discours. Les larmes aux yeux. Et elle me dira, prie pour moi, selon le rite que je t'ai montré, mon fils. Et c'est comme ça ma mère est partie. Pourquoi elle avait les larmes? C'est parce qu'elle s'est plainte. Elle a parlé de beaucoup de choses. Les femmes qui m'emmerdaient et qui me persécutaient, les parents qui me persécutaient. Elle a tout dit. Il dit, mais voilà, il n'y a que toi qui es là au chevet du lit avec moi. Mon Dieu! Bref, les véritables initiés m'ont dit, non, notre papa, tu as eu la bénédiction, oh. Ce que tu as fait là, tu as eu la bénédiction. Même si tes parents ne se sont pas trop occupés de toi, mais tu as eu la bénédiction au dernier jour. Tu as enterré ton père et ta mère. Tu les as mis dignement dans des cercueils de valeur à l'époque. C'est bon. Je me suis endetté pour aller acheter ce cercueil à l'époque, à Gabosep, je ne sais pas trop qui là. Donc, la congélation du corps est un lien qui va toujours bloquer l'âme du partant. C'est pour cela, je vous ai dit, évitez de congeler. Parce que quand vous congelez, il y a toujours la famille qui sera en train de dire, oui, on attend, hein, les gens vont faire les cotisations, il faut me mettre l'argent, ceci, cela. Vous n'avez pas à perdre le temps. La personne de son vivant, vous n'avez rien fait. Les ordonnances, on ne voyait personne. Hein? Comme l'exemple de M. David. Là. Pardonnez-moi. Le cas de M. David. Les gens prient David de fou. Que lorsque son fils là qui faisait le banditisme là, qui voulait coucher avec sa fille là, a été tué. Et lorsque David maintenant, l'enfant, quand l'enfant était malade, on le voyait, il portait des sacs, ce qu'on appelle le deuil. Mais dès que l'enfant était enterré, on l'a vu, il a célébré. Il y a eu un grand festin organisé par le roi au palais là-bas. Les gens ont dit, oh, mais le type là, il est comment? Mais il dit, mais bien sûr. Mais quand la personne vivait, c'est là qu'il fallait souffrir avec la personne. Maintenant, la personne est morte. Quelle célébration vous allez faire là? La connerie.
Donc, du coup, la congélation fait partie des célébrations inutiles. Et je pèse mes mots. Arrêtez-moi cela, parce que cette célébration, cette affaire de congélation, bloque l'âme du partant pour rien. Il faut être initié pour comprendre ce que j'ai dit. Oui. Le froid que vous mettez autour de ce corps. Il n'y a pas encore eu une dématérialisation totale. C'est vrai que l'âme du partant, l'âme s'est détachée du corps, sous couvert du cœur et du cerveau. Mais il n'y a pas eu une dématérialisation totale évidente. Vous allez congeler. Mais cette dématérialisation ne peut être évidente à partir du moment où il y a des affiliations, il y a des histoires de veillées qu'il faut faire, il faut faire ceci, cela, il faut raconter des conneries. Bref, ma question, la réponse est claire. Laissez, quand le type est mort, 72 heures. Pourquoi on dit 72 heures? Logiquement, quand j'ai une déclaration clinique par le médecin et les légistes, les gens qui connaissent, après 72 heures, le cerveau va commencer à prendre un coup. Le corps va commencer à se détériorer et la première partie qui se détériore s'appelle le cerveau. Voilà ce que la science nous enseigne. Donc, quand vous allez congeler ou je ne sais quoi faire, tout ça, c'est des simulacres inutiles. Enterrer la personne, laissez-la partir. Ça ne sert à rien d'avoir des larmes de crocodile, faire semblant d'être là. J'ai vécu cela, moi, Mouré Onouvier, votre guide. J'ai vécu cela avec la mort de mon père et de ma mère. Parce que mon père est mort bien avant et ma mère a suivi 2 ans plus tard. Donc, j'ai vécu cela et je sais de quoi je vous parle. Et j'ai un grand-père à moi, quand il est mort, certes à un âge très avancé, il est venu me parler parce qu'il fallait attendre les petits-enfants, les enfants qui étaient en France. Mais il est venu me parler en esprit. Il m'a dit, il faut me sortir de cette chambre froide. Il faut me sortir de cette chambre froide. Oui. Mais j'étais encore jeune. Je dis, ah, quand je vais dire à ce loubar là, la chose là, ils vont prendre ça comment? Mais je suis allé me confier à l'une de mes tantes. Elle s'appelle tante Marie Kaye Onoubie. Elle est née au Centrafrique. C'était la première fille du grand-père Georges Onoubie. Oui. Je me suis confié en elle. Elle, c'était ma complice. Je lui ai dit, voilà. Elle me dit, oh, Agnambière. Mais elle, comme elle était branchée dans les histoires de christianisme céleste là, elle était tellement religieusement avancée, les gens ne voulaient pas l'écouter. Moi, je lui ai dit, je me confie à toi, parce qu'elle et moi, on était complices. C'est elle qui m'a donné toute l'histoire de ma famille où nous vient, d'où nous venons. Bref, la congélation, c'est pas bien. Bon, maintenant, deuxième question. Quelqu'un me dira, pourquoi vous dites tous les jours, laissez la politique aux politiciens? Bien. J'avais bien dit, et je le répète tous les jours, que je ne veux pas parler de la politique. Parce que je ne suis pas un diplômé de politique. Je n'ai pas de diplôme en sciences politiques. Et ensuite, j'ai regardé les acteurs politiques depuis 1990 au Gabon. Ici, aux États-Unis, j'ai observé. J'ai voyagé dans un pays qu'on appelle le Rwanda. Là. J'ai observé comment la politique marche là-bas. Et c'est le seul pays en Afrique que j'ai bien étudié. Vraiment bien étudié. J'ai tissé des relations avec certains hommes politiques de ce pays-là. Proche même du président. Monsieur Kagame. Alors, pourquoi je dis qu'il faut laisser la politique aux politiques ou aux politiciens? Surtout, le cas de l'Afrique. Mais je vais commencer à vous parler d'abord du pays qui m'a adopté, là où je suis américain. Voilà mon passeport. Tout le monde le sait. Je suis américain. Depuis 2008. D'accord? Ça fait plus de 10 ans. Je suis de nationalité américaine. Et voici ce qui est écrit sur le passeport américain. Oh, say does that the people and that the government of the people by the people for the people shall not perish from the earth. We the people of the United States, in order to form a more perfect union, to establish justice, ensure the domestic tranquility, to provide for the common defense and to promote the general welfare and to secure the blessings of the liberty to ourselves and to postern, to ordain and establish this constitution for the United States of America. C'est écrit comme ça sur le passeport américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça,
C'est l'un des préambules, c'est le préambule de la Constitution américaine. La Constitution américaine a été écrite, pour ceux qui ne le savent pas, par certains éditorialistes, ils écrivaient des journaux à l'époque, mais qui pour la plupart étaient des chrétiens. Ils ont copié toute la Bible que vous voyez là. Ça a été revu et revu et revu. Ce qui fait que la Constitution américaine que vous voyez aujourd'hui là, sous la table, que vous pouvez vous-même aller vérifier sur Google, 90% des principes de la Constitution américaine est inspiré du Livre Saint, est inspiré des 10 commandements de la Bible. Pourquoi les Américains ont fait cela? Parce qu'ils ont dit, comme cela est écrit sur le passeport, oui, the people. Ça ne commence pas par oui, the government. Oui, the people veut dire nous, le peuple. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Abraham Lincoln. Et c'est pour cette raison qu'il a été tué par ses frères républicains. Donc, la Constitution américaine, le pays qui m'a adopté, j'ai fait sciences politiques, hein, rassurez-vous. J'ai étudié ça pendant 3 ans. Je n'ai pas eu de diplôme, j'ai demandé seulement un certificat parce que je me suis découragé. Et c'est là que je vais vous expliquer le découragement que j'ai eu. Je pouvais bien continuer à avoir un master en sciences politiques. Mais ça ne sert à rien et ça ne peut pas me servir même en Afrique. Et je vous donne les raisons. Donc, sur le passeport américain, il est bien écrit que la Constitution américaine, elle est faite pour le peuple, rien que pour le peuple, pour la justice, pour établir une justice, pour une protection domestique, pour permettre à tous les Américains de vivre heureux et de welfare, c'est-à-dire pour permettre à tout Américain de profiter du bien-être général. Et la Constitution de conclure, avant que Abraham Lincoln, dans ce qu'ils appellent The Proclamation, dans sa lettre de la proclamation des libertés, des droits, le seul qui a s'est battu pour qu'on libère. Voilà, proclamation. Oh merde, comment il a appelé cette lettre-là? Donc, dans sa lettre-là, il s'est battu pour libérer les Noirs. Et vous savez qu'il a risqué sa vie, car c'est ce qui plus tard va lui coûter, va lui valoir sa mort. Donc, dans la Constitution américaine, il y a 2 grands amendements. Le premier amendement, et ça n'a jamais changé, hein, depuis le 18e siècle. Ça n'a jamais changé. Je dis bien depuis le 18e siècle. Ça n'a jamais changé. Depuis 1789 jusqu'en 2021. Le premier amendement de la Constitution américaine assure les libertés fondamentales, individuelles et collectives, et étatiques et gouvernementales, et dans la responsabilité fiscale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une démocratie en matière de finances publiques. C'est pour cette raison. Ici, là, un trésorier payeur, quoi que ce soit, il doit être élu ou nommé par son parti, mais généralement à des élections. Le juge est élu. Ici, aux États-Unis, on ne peut pas vous pointer maître juge parce que vous êtes de tel parti. Vous êtes élu. Oui. Pour être même un simple recteur d'université, il faut passer par des élections. Pour être directeur d'école, ce qu'on appelle ici superintendent, il faut passer par un vote. Ça, c'est l'amendement du premier de machin. Et ensuite, dans le premier amendement, la liberté fondamentale d'expression et autres, vous êtes libre de vous exprimer, mais dans le respect de l'ordre public et en s'assurant du respect du code civil et du code pénal. Parce que la loi fondamentale, même la Constitution, assure dans sa constitutionnalité le droit du respect du code pénal, c'est-à-dire le code qui condamne les conduites, qui condamne les comportements des humains qui marchent hors la loi. Et le code civil qui régule les règlements intérieurs en rapport comment vous devez vous comporter vis-à-vis des chiens, vis-à-vis de votre femme, dans vos foyers et tout cela. Ça, c'est la Constitution américaine, dans son premier amendement. Mais si je rentre développer ça, ça risque de me prendre un mois. Parce que j'ai étudié cela pendant 3 ans. À l'université qu'on appelle Ohio University, Athens University. Parce qu'il y a une différence entre Ohio State University, qui est l'université de l'État, parmi les 10 meilleurs de tous les États-Unis d'Amérique, parmi des dizaines de milliers. Vous connaissez Ohio State, la meilleure équipe de football. Vous connaissez Ohio State, qui a créé le plus grand centre hospitalier du cœur. Nous sommes à travers le monde, c'est ici.
Si on veut vous opérer le corps, vous mettre un corps artificiel. C'est ici là qu'on a découvert cela. Mais moi, je ne suis pas allé là-bas. Je suis allé à Ohio University, qui est une université uniquement de l'État de l'Ohio. J'ai étudié ce que je vous dis là. J'ai étudié la Constitution américaine. Maintenant, dans le même amendement toujours, on nous parle de liberté religieuse. Vous êtes libre d'adorer n'importe quel Dieu. Vous êtes même libre d'adorer votre crocodile. Voilà pourquoi il y a de cela près de 44 ans. Le Bouti a été reconnu aux États-Unis. À New York, dans l'État de New York, il y a des temples de Bouti. Dans l'État de Oregon, Portland, j'étais surpris, il y a des temples de Bouti. Et il y a un mec qui est un Américain, il est allé ouvrir un temple de Bouti où il faut mélanger maintenant les règles des femmes avec le bois sacré. Mais c'est ça, la liberté du premier amendement. Il est allé faire ça à Postor, mais qu'on appelle ça à Costa Rica, non loin d'ici. Maintenant, le deuxième amendement. Voilà le deuxième amendement. C'est ça. C'est une arme. C'est ça. Ça, c'est le deuxième amendement. Le port d'armes. C'est ça. Voilà les deux amendements américains. Avoir son arme, j'ai le droit. Et avoir votre Bible, ou votre religion, ou exercer librement votre beauté, ou bien moi, venir parler de mes histoires ici. Voilà ce que la Constitution américaine assure. Mais maintenant, dans la globalité de cette Constitution américaine, le modèle de la Constitution américaine est un modèle de l'Empire romain. Pourquoi? Mais parce que l'Empire romain, pour dominer le monde, utilisait deux armes. Il utilisait le pouvoir politique sous l'égide des gouverneurs qui commandaient à travers des provinces et qui ont élargi leur pouvoir vers toute l'Europe et dont la capitale était Rome, que vous voyez là. Et le deuxième pouvoir, c'était la religion. Voilà pourquoi l'Église catholique est une Église d'État pour le contrôle des consciences des individus. Il faut les contrôler par le fameux document. Mais quand on dit Église d'État, mais parce que l'Église catholique s'est inspirée des 10 commandements de la Bible. Le roi Salomon, il n'était pas un politicien. Je vous informe. Le roi Salomon n'était pas politicien. Il a été mis à roi, mais il était entouré par des hommes de Dieu. Et ce sont ces hommes de Dieu qui l'aidaient. Parmi lesquels, dont l'un d'entre eux, qui est une affaire houleuse, qui fait bouger les oreilles des gens, le prophète Nathan, dont ils étaient amoureux. D'accord? Mais il avait près de 750 conseillers autour de lui. Les informations que je vous donne sont puisées du livre de Chronique, et du livre de deux rois, à partir du chapitre 17. Le roi, c'est même David, n'était pas un politicien. Mais il s'était entouré des gens pour pouvoir diriger le peuple. Et il s'inspirait de quelque chose. Il s'inspirait du fameux livre des 10 commandements. Donc la constitution du royaume d'Israël était basée sur les 10 commandements de Dieu. C'est ainsi que les sanctions qui étaient infligées pour ce qui est du code pénal. Parlant du code pénal, donc les sanctions qui étaient infligées aux gens étaient, vous pouvez les retrouver dans le livre de Lévitique et dans le livre de Deutéronome. Voilà comment ça marchait. Alors, l'Empire romain s'est inspiré du modèle d'Israël. Et le gouvernement américain, dans les années 1785 jusqu'en 1789, avant d'arrêter la Constitution, s'était également inspiré de la Bible. Voilà pourquoi, vous avez lu tout à l'heure avec moi, dans ce passeport américain, on reprend les paroles de la Bible. Bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pourquoi je dis qu'il faut laisser la politique aux politiciens? Ici, aux États-Unis, il y a la corruption. Ils n'ont aucune leçon à donner aux Africains. Mais la corruption américaine, ils l'ont classifiée sous un classique ou sous un mot qu'on appelle le lobbying. Mais qu'est-ce que c'est le lobbying? Dans mon État, moi, où je travaille, je connais un monsieur qui a été condamné il y a de cela 4 ans. Et alors, je vous parle. Il jouit déjà d'une liberté provisoire, mais non autorisée. C'est-à-dire, on lui a mis un appareil pour surveiller ses mouvements et surveiller tout ce qu'il dit. Ce monsieur n'a qu'un niveau. Seventh grade en anglais, comptez bien. First grade, CP1. Second grade, CP2. Sixth grade, sixième. Seventh grade, c'est la classe cinquième. Ce monsieur avait un niveau cinquième, mais il est rentré très tôt dans le monde du travail et de business. Et quand il rentre dans le monde du business, il soutient les républicains.
Et quand il soutient les républicains, eh bien, il se retrouve millionnaire. En dollars, hein, donc milliardaire en CFA. Et c'est comme ça, il va commencer, puisqu'il a créé des affaires, qui sont d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui qui marchent, il va commencer à créer des affaires. Lesquelles affaires? Il a le soutien des hommes politiques. Car lorsque les hommes politiques passent des lois, il a des faveurs. Mais c'est sous silence. Voilà pourquoi aux États-Unis, il y a deux formes d'individus. On appelle un des lawmakers. OK? Il y a ce qu'on appelle des lawmakers. Des lawmakers, c'est-à-dire, littéralement, veut dire les gens qui font la loi. Mais ces gens qui font la loi, ce ne sont pas les justiciers. Vous comprenez? Ce sont les élus du peuple. Les élus du peuple se retrouvent pour voter des lois. Mais là, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et quand ils votent leur loi, c'est en fonction de leur idéologie politique parfois et des orientations qui sont liées avec leur parti. Et c'est ainsi, vous verrez qu'au niveau du Congrès américain, il y a une loi qu'on veut passer sur les gays. Eh bien, Obama a eu une majorité, il en avait profité à l'époque, lorsqu'il avait la majorité des démocrates. Mais les républicains ont beau bouder, mais la loi est passée. Maintenant, elle est rentrée dans la Constitution. Et là, elle ne peut plus être modifiée. On ne peut pas la changer. Car la Constitution américaine est une constitution intègre. Elle est inchangeable. Elle est inaltérable. On ne peut pas la modifier n'importe comment. On marche toujours sur les deux amendements. Il y en a plusieurs, mais les amendements principaux, il y en a deux. Et il y a un autre amendement, c'est l'amendement numéro 25, qui jugule et régule le système politique au niveau fédéral. Maintenant, dans chaque État, il y a ce qu'on appelle des constitutions également, dans chaque État. En dehors de la Constitution générale américaine, dans chaque État également, ils ont la copie de cette constitution, mais il y a adaptabilité et rattrapage par rapport à la philosophie ou à l'idéologie du gouverneur qui dirige. Par exemple, actuellement, le gouverneur qui me dirige, c'est un républicain. Et avec qui je discute quand je peux. Voilà pourquoi vous voyez, je suis comme ça. J'ai un rendez-vous avec son conseiller chargé des affaires sanitaires, quoi, là. Dans le cadre des forensiques, c'est-à-dire des malades mentaux qui commettent des crimes, car il y a une loi qui doit être revue. Et c'est pour cela que je suis là comme ça. Je vais m'apprêter dès que je finis avec vous là dans 15 minutes. Mais pourquoi laisser la politique aux politiciens? Aux États-Unis, je vous ai dit, la corruption existe, mais sous un pseudonyme appelé le lobbying. Je ne vous ai pas fini l'histoire de ce monsieur. Là, je vous parle de celui qui est ici. Monsieur Donald Trump, il n'est pas au-dessus de la loi. Récemment, on a attrapé toute sa famille impliquée dans de la mafia financière. Savez-vous ce qui va lui arriver? Et c'est ça la véritable république. C'est ça la véritable loi. Là, lui, il était président. Mais il était impliqué dans la mafia financière. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit, selon la Constitution américaine. Quand vous êtes élu du peuple, quand vous êtes président, vous ne pouvez pas continuer à avoir des liens avec vos affaires précédentes. Vous devez vous séparer totalement. Alors, il délégua ça à ses enfants. Mais l'erreur qu'il commit, après avoir délégué aux enfants, les enfants furent nommés également conseillers à la présidence de la République américaine. Grave, grave erreur. Alors, les lawmakers, c'est-à-dire le Congrès américain, dans sa majorité, y compris les républicains, sont en train de poursuivre cette affaire-là. Il y a deux jours, j'ai suivi ça. Et mon ami qui est le conseiller de notre gouverneur, l'équivalent d'un président, me parle de ça, il m'envoie des fascicules à travers mon téléphone. Et ça va bouger, là. C'est pour vous dire quoi. Quand vous n'êtes pas... quand vous êtes un homme qui a sa tête sur les deux épaules, quand vous êtes un homme de lumière, quand vous êtes un homme initié, qui connaît les principes de la vie, qui n'aime pas tricher, vous ne voulez pas tricher, vous ne voulez pas mentir, vous ne voulez pas voir le peuple souffrir, voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut laisser la politique aux politiciens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes politiques qui se soucient du peuple? Non, je ne l'ai pas dit. Mais la majorité, ils sont dans la mafia. Je ne veux pas parler de l'Afrique, mais je parlerai d'un pays qu'on appelle le Rwanda. Le Rwanda, certes, les gens ont dit que le monsieur-là était un dictateur. Je vous dis, pendant mon séjour là-bas, il mettait même... Certains frères gabonais, malencontreusement, me diront, non, ne parle pas politique ici. Oh. Ici, là, il y a les services de renseignement. Mais j'ai eu le courage de poser des questions. Et voilà comment j'ai appris comment le système rwandais fonctionne. Il fonctionne à l'image
du Parlement européen et à l'image du Parlement et du Congrès américain. Pourquoi? Voilà comment ce monsieur a organisé les choses. Au niveau de son, du gouvernement de ce monsieur-là, Kagame, il y en a trois chambres. Je m'explique, peut-être pas trois chambres, mais trois systèmes. Il y a les députés qui sont élus. Il y a des sénateurs qui sont élus et nommés. Il y a des sénateurs qui sont nommés. Mais la majorité, ils sont nommés. Et enfin, il y a le Haut Conseil de la République. Et ce Haut Conseil de la République, c'est des mecs qui ont entre 60 ans, voire 100 ans d'âge. Ce sont des vétérans. Ce sont des personnes qui proviennent de deux tribus qui ont fait la guerre. Des deux tribus qui ont, se sont haïs. Vous allez me dire, mais M. Karamé est un dictateur. Oui, certes, mais il a fait tout pour faire de ce pays un pays qui attire maintenant même les tocards qui sont indépendants depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, le Rwanda attire les Américains, attire les Français, les mêmes Français qui ont participé au crime et au génocide au Rwanda. Aujourd'hui, alors je vous parle. Il y a de cela un mois. Ce n'est pas Macron qui est allé demander ouvertement à Kagame, je demande pardon pour les crimes que nous avons commis. Mais pourquoi il demande pardon? Mais parce que le Rwanda est devenu l'un des pays les plus stables de l'Afrique et les plus sécurisés. J'ai fréquenté toutes les rues, la capitale Kigali et de tous les districts, près de 30, mais surtout les districts principaux de la ville, même du pays du Rwanda. Je vous dirai ceci. En termes de sécurité, le Rwanda est sollicité pour assurer la sécurité de l'ONU, comment dirais-je, de l'OUA. De l'Union africaine, je voulais dire, l'UA. Le Rwanda est sollicité pour assurer la paix dans la plupart des grands pays de l'Afrique, alors que ce n'est qu'un petit pays qui n'a à peine que moins de 11 000 kilomètres carrés. Je dis bien moins de 11 000 kilomètres carrés. Le Rwanda a la taille de l'Ouest maritime. Alors moi, ce qui m'a frappé là-bas, hormis le fait qu'on dise que c'est un dictateur, mais moi je dis, le pays du Rwanda, allez-y. Ça attire des millions de visiteurs chaque année. Et le Rwanda n'a pas le pétrole, n'a pas les diamants. Voilà le président Tshisekedi qui a signé il y a de cela un mois avec le Rwanda un grand marché qui va rapporter des milliards de dollars. Lequel marché? Monsieur Tshisekedi a approché Monsieur Kagame pour lui dire, écoute, puisque chez nous ici, là, en RDC, il y a trop le désordre. Il y a la guerre. On tue les gens n'importe comment. Yo. Pardon. Est-ce qu'on peut ouvrir une usine de transformation de l'or et des diamants dans ton pays? Mais Kagame a dit, mais mon frère, regarde le pays, il est libre. Nous ici, on a la sécurité. Ils ont signé les accords. Cette usine sera à la frontière, mais va être implantée du côté du Rwanda. Donc le Rwanda va maintenant produire de l'or, alors que le Rwanda n'a pas de l'or. L'or qui viendra du Congo, les diamants qui viendront du Congo RDC, va être traité au niveau du Rwanda et va être vendu au Rwanda. Et le Rwanda aura sa part. Et bien sûr, la majorité reviendra au Congo RDC, donc Kinshasa. Mais le Rwanda aura des revenus, des milliards et des milliards qui vont sortir de là. Et les Européens et les Américains viendront acheter désormais l'or et les diamants au Rwanda, parce que c'est un pays stable. Vérifiez sur Google, vérifiez n'importe où vous qui m'êtes douté là. Donc, faut laisser la politique aux politiciens. Si ce monsieur-là n'aurait pas fait asseoir les frères Hutu et Hutsi pour dire, écoutez, on s'est battu, on a versé le sang, il faut l'unité du peuple. On ne doit plus appeler les gens par les pieds d'oiseau. On ne doit plus dire que non, toi, tu es Tutsi, il ne faut pas venir chez les Hutus. On ne doit plus se diviser. Et que tous les 30 districts et les 7 provinces du Rwanda, on doit tous se retrouver ensemble. Nous devons conjuguer le même verbe. Oublions le passé. Oui, nous avons versé le sang ensemble. Oui, il y a eu des millions de morts. Il faut reconstruire notre nation. Et voilà un pays qui, en 26 ans, s'est développé à une vitesse vertigineuse. Au Rwanda, vous êtes au courant, la compagnie Volkswagen des Allemands fabrique des véhicules maintenant là-bas au Rwanda. Oh! Vous le saviez, non? Le Rwanda, la santé, ce que disait le père Mbabe Solo, école gratuite, c'est vrai. La santé pour tous, c'est vrai. Mais il a éliminé la santé pour les membres du gouvernement. Il a dit ce n'est pas normal. Laissons la santé aux gens qui ne sont pas privilégiés. Donc, alors je vous parle, les Rwandais qui sont pauvres, ils ont accès à la santé gratuitement. Les besoins de base sont assurés. Ils ont l'eau, même si les salaires ne sont pas aussi éloquents. J'ai discuté avec quelques fonctionnaires, c'est pas des gros salaires, mais
Voilà comment il a décentralisé sa politique. Et de deux, lui, M. Karamé, a mis les religions à travail seulement avec l'église catholique. L'église qui fonctionne le plus au Rwanda, c'est l'église catholique. Savez-vous pourquoi? Mais parce que l'église catholique investit. Ici, aux États-Unis, c'est l'église catholique qui avait conçu l'université que vous voyez qu'on appelle Harvard. Est-ce que vous le saviez? Qui est l'université la plus prestigieuse du monde? Ah oui, oui. Où j'ai vu l'office du défunt Omar Bongo sortir diplômé de cette école-là. C'est pas n'importe qui, hein? Bon, c'est vrai que papa avait de l'argent. C'est pas n'importe qui. Pour avoir votre bachelor, vous n'avez pas moins de 300 000 dollars, à peu près 150 millions. Parce que ils forment des élites. Ils forment les meilleurs politiciens. Ils forment des meilleurs polytechniciens. Ils forment des meilleurs ingénieurs du monde. L'école s'appelle Harvard University. Mais cette université menait des enquêtes. Les fondateurs sont les catholiques. Au Gabon, la plupart des hauts cadres que vous voyez aujourd'hui, ils ont été formés où? À Kwaben. Kwaben, c'est qui? C'est catholique. À Odimba, Sainte-Anne, c'est catholique. En Gomo, c'est catholique. La plupart des hauts cadres que vous voyez au Gabon, mon Dieu, je vais vous citer combien d'églises. On n'a pas vu une église de Tintamarre, d'église de Veillé, pour faire du bruit. Tintamarre, n'importe comment. Voilà pourquoi Kagame, il y a de cela 2 ans, avait décidé de fermer plus de 2000 églises pour faire le bruit aux gens. Les gens doivent se concentrer pour le développement d'un pays. Et le véritable politicien, c'est celui qui se soucie du peuple. C'est celui qui reconnaît ses erreurs. C'est celui qui appelle les autres pour se retrouver ensemble. Et d'avancer et de construire la nation pour tous. Il y a des écoles partout au Rwanda. Il y a les routes sont les plus propres, vous le savez. Pas on a dit, je ne veux pas publier mes vidéos parce que la personne qui était avec moi m'a dit, papa, pardon, ne publie pas ça. Mais j'ai pris des vidéos, ils m'ont autorisé, sauf du côté de l'aéroport, c'est interdit. Ceux qui ont été au Rwanda savent de quoi je parle. Il n'y a que deux forces de sécurité qui circulent au Ghana, au Rwanda. Il y a ce qu'ils appellent le RNP, RNP, le Rwanda National Police. Ce sont les officiers les plus respectueux de la planète. Quand vous commettez une erreur, ils vous pardonnent une fois. Et la deuxième fois, on vous sanctionne. Et on ne vous met pas en prison, on ne vous tape pas, on ne vous engueule pas. Et les deuxièmes forces de la sécurité s'appellent la garde républicaine. Voilà, ils n'ont pas de gendarmes, ils n'ont pas je ne sais qui, des marins ou quoi. Non, ils n'ont que la police et la garde républicaine. Et ces mecs-là, ils ont été éduqués à être polis. Ils font le sport 7 jours sur 7. Et quand je parle de cet exemple du Rwanda, ça m'a troublé, ça m'a vraiment touché. Bon, j'ai discuté avec un opposant qui est exilé ici avec moi aux États-Unis. Je lui ai demandé, mais ton type-là du Rwanda, toi tu dis les dictateurs. Bon, maintenant, quel est ton plan? Il a été honnête avec moi. Il me dit, mon frère, c'est vrai, en matière de développement, aucun pays africain n'a fait ce que ce type-là a fait. Il a su se rattraper. Les écoles sont partout. Les routes sont partout. Je lui ai dit, mais oui, moi-même, j'en reviens. Je lui ai montré les photos. Il dit, oui, ce n'est pas vous. Le Rwanda a sa propre banque. Est-ce que vous le saviez? Où est mon portefeuille? Le Rwanda fabrique son propre argent. Voilà, voilà l'argent rwandais. Et le billet le plus gros est de 5 000. Le billet le plus gros au Rwanda, c'est 5 000 Rwandais. Voilà, voilà l'argent rwandais. Ça, c'est 1 000 Rwandais. Ça, c'est 500 Rwandais. Voilà, voilà l'argent rwandais. Il y a même les 5 000 Rwandais. 5 000 Rwandais, c'est l'équivalent de 2 700 francs CFA. 1 000 Rwandais, c'est l'équivalent de 625 francs CFA. Et 500 francs Rwandais, c'est l'équivalent de 240 francs CFA. Voilà! Le pays des autres. Ils ont leur propre banque. Et quand je dis laisser la politique aux politiques, quand on est là-bas, quand j'étais là-bas, mais j'étais impressionné. On respecte les gens. Depuis l'aéroport et les officiers que j'ai regardés, personne n'a les barbes, personne n'est gros. Il n'y a pas de gros banques. Tout le monde fait le sport. Tout le monde respecte. Tout le monde suit tout. Les sénateurs sont là-bas dans leur coin à faire leur boulot. Les députés dans leur coin. Les hauts conseils de la République, le haut conseil de la République, c'est les hauts conseils de la République, sont les conseillers du président de la République. Et là, c'est un mélange de Tutsis, de Hutus, tous mélangés. Opposition comme quoi? Mais les opposants qui font le bruit. J'ai posé la question, monsieur dit, bon, vous allez battre ce type-là sur quoi? Oui, c'est vrai, il a les routes. Bon, ok, tout le Rwanda est couvert par les routes. Allez, allons-y, continuons. L'école, oh oui, il y a l'école pour tout le monde. Ok, continuez encore. On dit quoi? La santé.
Oui, il y a la santé, mais la pauvreté, là. Je dis pauvreté, ça veut dire quoi? Moi, je dis pauvreté, même s'ils gagnent moins de 2 dollars par jour. Mais moi-même, j'ai regardé, là-bas dans la zone de Kikoubou, j'ai vu les conseillers municipaux, le chef, c'est pas le maire, hein, sont les conseillers municipaux qui vont faire des distributions de nourriture gratuite toutes chaque fin de semaine, tous les vendredis, aux populations les plus démunies. Et c'est l'État qui fournit. Et le président, il y a de cela 4 ans, voulait s'opposer à une loi autorisant tout Rwandais d'avoir une bicyclette et faire son business de bicyclette. Mais les hauts conseils de la République ont convaincu Monsieur le Président que non. Monsieur le Président, pour éradiquer la pauvreté, permettez tout Rwandais de se débrouiller au lieu qu'on forme des voleurs ou des violeurs. Même si le Rwanda est stable, il faudrait qu'on garde une bonne image du Rwanda. Voilà comment, alors je vous parle, il y a un syndicat de bicyclettes au Rwanda. Et c'est le seul pays au monde. J'étais au Togo, au Bénin, il y a seulement le syndicat des motos. Mais au Rwanda, il y a un syndicat de bicyclettes, des cyclistes. Il y a un syndicat aussi des motoristes, des motards et le syndicat des chauffeurs de taxi. Voilà donc le gars avec sa bicyclette, il peut faire le tour de la ville, aller transporter quelques sacs de riz et ou bien quelques sacs de maïs ou bien du lait de vache pour aller donner à un client. Il a quand même, ce que je viens de vous montrer, on lui donne quand même ses 10 000 Rwandais. Et les 10 000 Rwandais, ça fait combien? 10 000 Rwandais, ça fait à peu près 5 000 francs CFA. Avec 1 000 francs, vous pouvez payer 40 œufs. Je répète, avec 1 000 francs, vous pouvez payer 40 œufs. Puisque moi-même, pas on a dit, avec ce billet-là, voilà, je ne l'oublierai jamais. Vous voyez? Ecobank, c'est la grande banque là-bas. Ecobank, c'est là, la preuve est là. Avec cet argent-là, Rwandais, là, ça c'est 1 000, 1 000 Rwandais, 1 000 francs. OK? 1 000 francs Rwanda. Avec ça, j'ai payé 20 œufs. Et le Rwanda n'importe pas les œufs. Hein. Il fabrique tout sur place. Et ça vient des fermes à côté. Et c'est des œufs biologiques. J'ai eu ça pour 750 Rwandais. 750 Rwandais, c'est l'équivalent de 315 francs CFA. 315 francs CFA! J'ai pu manger pendant 2 semaines les 20 œufs. Laissez la politique aux politiciens. Voilà de quoi je parle. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne veux plus m'occuper des conneries des politiques. Parce que pour être un vrai politique, il faut se soucier du peuple. Qu'on vous traite dictateur ou pas, il faut changer la vie des gens. Vous avez compris maintenant ma déception et mon point de vue. Et ensuite, à cause de mes principes spirituels, je ne peux pas fourrer mon nez dans vos conneries. Parce que je serai en contradiction, je vais participer au crime financier. C'est-à-dire que on ne peut pas me donner les moyens peut-être politiques pour pouvoir m'occuper des populations. Et on va me traiter de menteur. Or, ici aux États-Unis, je le répète, on leur donne les moyens. Les moyens sont dégagés. Et il y a des commissions indépendantes qui surveillent ce que vous faites. Et ici, ce qui m'intéresse aux États-Unis, et au Rwanda également. Au Rwanda, quand vous êtes un membre du gouvernement, et que vous osez dire, moi c'est moi, le même jour, il n'y a pas un service de renseignement le plus sophistiqué de l'Afrique que le Rwanda. Personne ne me dira le contraire. Et c'est comme ça qu'ils ont attrapé ce mec-là de l'hôtel Rwanda. On l'a attrapé depuis la Belgique. Il s'est retrouvé au Burundi. Il n'a même pas compris. On a découvert toutes les conneries qu'il faisait alors qu'il se passait pour un homme propre. Voilà la véritable politique, c'est celle-là. Et moi, je ne maîtrise pas cela. Oh, voilà pourquoi je dis, laissez la politique aux politiciens. Mais que vous, les politiciens aussi, faites un bon travail. Donc, quand un politicien au Rwanda, un élu du peuple ou bien un officier est impliqué dans une malversation, il est non seulement viré de la fonction publique, mais on le met au gnouf. Voilà comment le Rwanda marche. Voilà pourquoi les gens le traitent de dictateur. Ici, aux États-Unis, vous avez commis une gaffe. Voilà Donald Trump. Hein. Ses enfants-là vont être arrêtés. Lui-même, Donald Trump, par respect, la rétroactivité de la Constitution américaine dit qu'un ancien président de la République ne peut pas être condamné, car cela n'a jamais existé de tous les 45 présidents que nous avons eus. Par conséquent, il va être empêché à se représenter pour un autre mandat. Parce que là, il se prépare pour le mandat de 2024, là. Monsieur Donald Trump, il se prépare. Mais malheureusement, son passé le poursuit. Il a été impliqué dans la corruption, le lobbying. Aux États-Unis, la corruption, on n'utilise pas le mot corruption, on parle le mot lobbying. En Afrique, on parle de corruption.
Vous ne trouvez pas que c'est tabac de même pipe? La constitution américaine, elle est basée sur la parole de Dieu. Tout comme l'Empire romain utilisait les 10 commandements de la parole de Dieu. Monsieur Karamé s'en inspire et en a fait une symbiose et a créé une sauce meilleure pour pouvoir, pour le bien de son peuple. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc, laissez la politique aux politiciens. Moi, je ne suis pas un politicien, moi. Je suis un ancien élu du peuple. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Les preuves sont là, à Oumboué, à Gamba, si vous partez, il y a des dos d'âne. C'est moi, quand j'étais président de l'APEC, président de l'association des parents d'élèves. Et ensuite, j'ai été élu conseiller municipal. Nous avons participé à la construction de l'actuel bureau de la commune de Gamba. J'ai participé. J'ai posé des actes. Mais c'est le passé. Parce qu'un vrai homme politique se soucie du peuple. Un vrai homme politique respecte le peuple. Un vrai homme politique respecte les autres. Et un vrai homme politique doit être fier de sa citoyenneté. Pour ne pas dire, doit être un vrai patriote et considérer que son pays appartient à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'en ai terminé. Je sais, la personne qui m'a posé la question, c'est un compatriote gabonais qui m'a connu de par le passé parce que, voilà, je faisais des lives politiques, mais tout, tout et tout. Mais je vous expliquais que je me suis retrouvé dans un combat où j'ai été mal compris, où c'est moi qui me suis retrouvé sur le faux terrain. Car le terrain du combat gabonais, c'est complètement différent des autres terrains. Le vrai combat politique n'est pas un combat d'insultes, aller insulter les gens, les prendre pour les pieds d'oiseau et de ceci, cela. C'est un combat idéologique. Vous émettez vos idées, vous parlez, voilà, et vous apportez des suggestions. Vous critiquez, mais en même temps, vous apportez des suggestions. Mais, et le vrai combat aussi, c'est celui de l'intégrité. Vous devez être intègre par rapport à votre idéologie. D'accord? Intégrité veut dire qu'on n'a pas le droit d'acheter votre âme. Mais vous pouvez discuter avec l'autre. Vous pouvez discuter avec l'autre pour lui dire, écoute, toi, ta façon de faire, je ne l'apprécie pas. Moi, je pense qu'il faut faire ceci. Maintenant, si vous dites, bon, mais écoute, est-ce que tu peux travailler avec moi? Je dis non, travaille toi seul. Moi, quand je prendrai le pouvoir, je vais appliquer ma politique. Mais tu peux quand même voler ce que j'ai dit. Et ce fut le cas de M. Pierre Mamboundou. M. Mamboundou, de son vivant, avait amené beaucoup de modifications au niveau de l'administration centrale. Mais Omar Bongo en a profité. Le vieux Omar Bongo en a profité. Et c'est pour cela, vous verrez, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'administration centrale gabonaise. Tout cela, j'ai les copies, moi. Je suis un élève de Pierre Mamboundou, je sais. D'accord? Donc, Pierre Mamboundou a contribué au changement. Donc, il y a deux façons de participer au changement de votre pays. Soit, vous participez d'une manière directe, c'est-à-dire, comme l'a fait M. Abdoulaye Wade, hein, que vous connaissez, hein, qui est devenu, je crois, il vit encore, ce vieux papa-là, sénégalais. Était un grand opposant pendant près de 50 ans. J'ai lu un peu son palmarès. Oh là là, mais mon Dieu. Donc, tout ce temps-là, il a combattu, il a combattu. Il s'est retrouvé même en prison. Abdou Diouf, son adversaire, l'a mis en prison plusieurs fois. Et c'est le même Abdou Diouf qui le nomme ministre de la Justice. Et puis, c'est le même Abdou Diouf qui va être battu par Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade va être président de la République. Mais comme en Afrique, nous avons un virus qu'on appelle la drogue, que le pouvoir politique devient une drogue, et bien voilà comment Abdoulaye Wade, au lieu de tranquillement respecter la constitution qui autorise seulement 2 mandats, et bien malheureusement, il a voulu s'entêter. Et bien sûr, son fils a été impliqué dans pas mal de choses, les Sénégalais en parlent, les médias en parlent, et bien voilà comment ce monsieur qui on respectait au départ un grand opposant, ben il devint aussi un corrompu. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Hein. Mais ça, c'est un exemple de la politique de la participation de manière directe. Allez travailler avec l'autre. Et peut-être que l'autre prendra vos valeurs et que vous allez battre l'autre sous un régime démocratique vrai. Maintenant, la deuxième manière, c'est la participation indirecte. Bon, la participation indirecte, c'est quoi? Bon, M. Moréo Nouvier prêche des messages tous les jours, et il y a des gens qui m'écoutent et ils volent. Voler veut dire que, oh mais tiens, mais ce qu'il dit là, vraiment, c'est important, on va appliquer ça. Il nous faut des chemis, il nous faut ceci, il nous faut cela. Donc, dans mes suggestions, les gens les appliquent. Et c'est ce que M. Pierre Mamboundou avait fait. Et bien, voilà comment il y a eu une petite évolution au niveau de l'administration centrale gabonaise. Mais quant à moi, M. Moréo Nouvier, j'ai un appel. Mon appel, c'est d'éduquer, de sensibiliser, de motiver. Et je reste dans ce domaine bien précis. Quant à la politique, s'il vous plaît, veuillez m'excuser.
je ne suis pas insensible, je ne suis pas ignorant de ce qui se passe au Gabon. Rassurez-vous, s'il y a quelqu'un qui est trop informé des réalités du Gabon, c'est votre humble serviteur. Je suis informé 24 sur 24 de tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Okondja, ce qui se passe à Omboué, ce qui se passe, les activités des maires, les activités de tous les maires du Gabon, je suis au courant. Ah oui, je vous dis. Et il y a des gens avec qui je parle. Que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, que ce soit des résistants. Voilà, je suis un homme qui a le droit de parler avec tous ces mecs-là et de porter ma voix. Certains m'écoutent. Voilà le rôle d'un véritable initié, c'est celui-là. Porter des conseils, mais pas pour mêler le nez dans la politique. Je ne suis pas un politicien. Je suis un sensibilisateur de masse. Je vous l'ai dit depuis le début. J'ai été à Ohio University Athens pendant 3 ans. J'ai eu un certificat de sciences politiques. Pourquoi le certificat? Parce qu'il me restait quelques crédits pour passer mon master. Mais j'ai changé d'avis. J'ai dit, fuck it, je ne veux plus. What's going on with you, man? I said, no, fuck it. Parce que j'ai découvert les méandres de la politique. Donc, je préfère rester un simple citoyen. Bon, ça ne m'empêche pas, je peux être un élu hein, local ici. Hein. Ah oui, j'ai des gens qui me poussent là. Mon parti dont je suis membre, me pousse à être un élu local. Et je vous signale qu'un élu local, c'est pas moins de 40 millions par an. Alors que quand moi j'étais élu local au Gabon là-bas, on me payait seulement par conseil extraordinaire ou bien ordinaire. On nous donnait 150 000 francs CFA. Et le poste que j'occupais de troisième adjoint au maire, c'est un petit salaire de 650 000. Et ici, là, quand vous êtes maire, oh, je ne vais pas parler, pardon. Bref, bonne journée, que Tétan Monga vous bénisse, j'ai été clair. Ne venez plus me poser des questions sur la politique, s'il vous plaît. Mais vous avez insisté, insisté, insisté. Voilà, je vous expliquais ce que j'entends par laisser la politique aux politiciens. Parce qu'il y a dans la politique des vrais professionnels de la politique. Omar Bongo était un professionnel de la politique. Il a su manipuler tous ces intellectuels avec les gros diplômes. Au passage, je vous signale qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme universitaire pour être président. Je ne sais pas si vous le saviez. Allez-y vérifier sur Google. Le premier président américain n'avait même pas le bac. Tous les autres présidents n'avaient pas de bac. Oui, oui, oui. On n'est pas obligé d'avoir les diplômes supérieurs. Il y a eu des exceptions à partir de George Bush, le fils. Il a eu des masters. Obama est professeur d'université. Il a près de 3 doctorats. Ça, c'est les exceptions. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'avoir des diplômes universitaires. Et il a été prouvé que les meilleurs politiciens qui ont fait bien marcher les États-Unis d'Amérique n'ont jamais eu de bac. En tête desquels, M. Abraham Lincoln. Oui. Et le vieux Ronald Reagan, même s'il a fait des cours d'histoire de cinéma à gauche à droite. Et au Gabon, on a eu le cas de M. Albert Bernard Bongo. Il a fait marcher les gens qui ont plein de doctorats. 3 doctorats, 4 doctorats. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire que la politique, ce n'est pas forcément la valeur intellectuelle qui compte. Hein. Ce n'est pas forcément les diplômes. Et c'est pour cela que vous verrez qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien dans leur pays. Ils n'ont pas besoin d'avoir des gens qui... Ils prennent des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent les choses, les questions de la vie et qui peuvent bien avancer. Bref, merci beaucoup. Que Tétan Monga vous bénisse.